Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le sens. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Là, on a pris à regarder comment, eh bien, les dispositions y est pour porter ce quoi faire son autre victime suite à passage tremblement de terre 6 octobre là. Là, c'est surtout le Grand Nord qui touchait et commune qui plus affectée, c'est Grosmonde, c'est Pilate, c'est Plaisance, c'est Port-de-Paix. Il y a une Fédération nationale d'Haïti haïtien qui quand même voulait au secours de la mairie qui est victime. D'ailleurs, dimanche, ensemble avec le président de la République, le premier ministre, le président FENAM, visiter commune, quelques communes qui touchaient suite à passage très loin de ça. Nous allons regarder qui ça visite à Tegaladel, qui en réalité a eu dans le moment de Paléa, dans quel niveau accompagnement, comment c'est arrivé à joindre mairie qui est en difficulté suite à passage très loin de ça. Et déjà, ouais, c'est le président FENAM, Jude Edouard Pierre, qui est avec nous pour numéro mise au point ça. Maïsra, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Ledor, bonjour à tout le monde qui a suivi nous là dans le Grand Nord, l'Artibonite, le Nord-Ouest et le Nord. Bonjour Carrefour, bonjour à tout le magistrat dans le pays. Bonjour à l'État, à toute diaspora qui a suivi là, qui est très inquiet par rapport à l'information qui dit que Haïti frappé par un tremblement de terre, qui peut être qu'on est dans qui département était localisé. Et nous voulons déjà dire merci parce que Gampil il faut qu'on fait de la part de la diaspora. On va remplir le monde derrière. Même Jean Gouin mobilisé, il mobilise tout. Donc nous espérons faire une très bonne émission pour nous évaluer la situation. Regarder comment aider la coordonnée, réponse à la coordonnée. Mais tout garder l'implication mairie, que la loi, que l'État dit que c'est eux-mêmes qui sont posés au cœur du dispositif de réponse. Est-ce que réellement c'est le cas? Et avec les délégués, est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que le gouvernement est bien mobilisé? Doit laisser évaluer les questions pour que nous comprenions ce qui a passé. Mais tout, fait des recommandations pour nous assurer que nous avons bien passé pour la population. Parfait. Dimanche, vous êtes sur place. Qui commune vous avez visité et l'arrivée qui sont vrais? Moi, j'ai visité la commune Gaumont 24 heures. Moins de 24 heures après le passage de l'ordre de terre, là, nous allons à Gaumont, nous allons regarder comment ça y est. Et c'était une visite qui était un double objectif. Première, c'était pour des solidarités, Fédération des maires d'Haïti, à conseil municipal, gouvernement, magistrat Tidé, magistrat Loulin, magistrat Roumain, pour des solidarités de la population gouvernement, à toute autorité dans la commune Gaumont. Mais nous avons un deuxième objectif tout dans la visite, ça, c'était assurer que tout dispositif de réponse qui mettait en place et que Myria est au cœur du dispositif, ça, avec Kazekyo, avec élus locaux, protection civile. Généralement, Haïtiens toujours utilisé moment difficile ça pour chercher visibilité politique et puis il y a des soucis particuliers, orgueil qui empêchait que une très bonne coordination de l'aide, de la réponse à apporter. Moi, je dirais que le président rapidement était l'autre bois tout avec le premier ministre, tout le gouvernement. Il a participé de la soirée à Décameroun, dans une cellule de crise qui a coordonné et réponse temps. Bon, c'était très bien, je dis ouais, engagement, gouvernement, PMC1, d'absuivre effectivement. Et je voulais assurer donc que mairie allait au cœur du dispositif de réponse temps. Ça fait dans l'autre bois, là, nous arrivons, nous joindre. Effectivement, la majorité de cailloux fissuré, il n'y a pas tombé dans cette ville-là. Il va pas tomber net. Mais ouais, un pile caille fissuré qui a pas qu'à utiliser encore. C'est plus dans la section communale Gomonio qui a une maison, plus maison qui justement est écrasée. Mais ça arrivait que on fait l'autre bois, c'était on l'école qui était construite, Maïsradim construit après 12 janvier, lycée Jacques Roumain. Eh bien, l'école ça n'a pas résisté à un tremblement de terre de magnitude 5.9, alors que finalement, il est garanti que même si tu as gagné un tremblement de terre de magnitude 8.5, à l'échelle de Richter, l'État a résisté. Donc, ce n'est pas possible que l'État ait dépensé comme ça, et puis, ou pas qu'on construit un bâtiment après le 2 janvier, cette envergure qui n'a pas respecté les normes parasismiques. On pensait que Claude Prepty, après, il était dans la mémoire haïtienne. Malheureusement, nous recouvrons en compte les recommandations
pour nous mettre nous prêts, pour nous assurer une très bonne coordination, de très bons comportements lorsque nous avons le terrain qui passe. Maintenant, à combien pour cette année, qu'a estimé Jean Gaumont touché à et la vie de Edouard Pierre? Quand je visite, je ne peux pas permettre que je évalue effectivement le pourcentage de frappe et Gaumont. Non, parce que c'est plus dans la section, yo, et magistrat Dim, Kazekio Dim, que le frapper. Mais dans la section, yo, en pile, en, vraiment, en pile de dégâts. Avec, j'aime ça tout à l'heure, alors pas être dans la ville là, difficile pour être dans le terre. Si ou pas, il faut regarder pour être tout caillou fait. Par exemple, nous avons regardé le bureau député Fritz Chéri, moi joint, moi, ouais, bureau a fissuré, il n'y a pas qu'à utiliser Kaila encore. C'était à l'étage. Donc il y a plusieurs bâtiments. Vous regardez moi tribunal de PA qui à l'entrée de l'hôtel de ville de Gaumont, ouais, que les fissurés, vous regardez, ouais, Myriam malheureusement était intacte. Et ça était un problème pour me dire pour qui ça, et que c'est pas là, il a assuré coordination, réponse qu'a faite là, au niveau Gaumont, avec délégués, vice-délégués, sénateurs, députés, et président, premier ministre et autres. Je pense que le monde Gaumont a vécu un moment très difficile parce que les normes ont été l'autre bois, et pendant l'autre bois, il y a des répliques justement qui étaient. Qui te frappé ville là encore, ouais, c'est vrai que tu as panique généralisée, et là, parce que tout le monde là, oui, et puis devine la pluie que tu as tombé, ouais, imaginez, nous ne sommes pas en train de caillou, il faut temps, tu vois, quoi. C'est quand même 24 heures après, donc pas de possibilité de quitter en bas, ouais, ça, yo. Mais ouais, que y a une peur bleue, il y a une panique généralisée, il y a un stress énorme sur la population, il bon, faut avoir un accompagnement psychologique, parce que ça, même nous avons vécu l'autre bois, surtout lorsque il y a une réplique, yo. Franchement, c'est quasiment. Mais je veux dire, là, qui a besoin et communauté à y. Moi, je parle avec magistrat, je vais évaluer, je parle à la protection civile, je parle à la condamnation départementale, je parle à la déléguée, je vais essayer de parler avec l'autorité. Besoin, la protection civile, évaluer aujourd'hui, et forme une autre possibilité de dormir. Il faut un accompagnement médical, psychologique. Aujourd'hui, il faut gagner, même passer le PPLS, c'est pas un gros travail pour le faire. Jean-président, tu fais li au niveau grandance avec Kaika pour construire pour Mounio. Je pense que c'est un gros travail qu'on fait dans la zone ça. Nous avons une nécessité, je dis, avec un côté plus dormi. Plus dormi parce qu'il n'y a pas qu'à entrer dans le caillou, c'est clair. Et moi, je pense qu'il faut éviter que duplication et que plusieurs ONG pas intervenir dans l'autre bois à faire affaire par eux. Moi, le président, le gouvernement a sorti une note qui m'a dit que l'aide là, les canaliser à travers justement Koun. Même tout dit, ok, c'est l'autre dit Koun, ou est Koud, ou est Kouk. Kouk là, c'est centre d'opération d'urgence départementale, et Kouk là, c'est centre d'opération d'urgence communale. Ça veut dire, dans le système national de gestion de ces désastres là, Mério jouait un rôle majeur en termes opérationnels. Si au niveau central, il définit les stratégies, et au niveau départemental, il fait implémentation, mais exécution, yo, quand même, c'est peut-être le comité communal de protection civile, yo, qui gagne en tête, yo, Mario, donc nous n'avons pas qu'à venir avec aide et que Mario avait mon courant. Dans l'intervalle, il faut me dire que nous vivons qui est très émouvant. C'est pas souvent, par exemple, le directeur général dit n'est pas, là nous ne supportons pas nous. Dans Mario, c'est deuxième et institution, donc c'est l'État quand même qui vient, le directeur général a porté un camion de l'eau. Et ouais, c'est monsieur qui a débarqué de l'eau à avec l'autre monio. C'était très fort. De loin, m'a regardé, même quitter loin moins ça même. Je n'ai pas été venu pour de l'eau. De l'eau, c'est une nécessité, effectivement. Manger pour monio, kembe, c'est une nécessité. Et m'passer l'expérience. C'est la première des nécessités. Et je pense que tout l'expérience qui était vive, sur Port-au-Prince, distribuer une série de tentes, de badges, après ça, ouais, Port-au-Prince, qu'on pile le temps pour retirer mon nom, il faut éviter ça. Moi, je m'inspire que les bagages sont durables. C'est ça la préoccupation de la fédération. Au-delà du moment d'émotion, ça y est, et que tout le monde mette le projecteur sous Gaumont, sous Port de Paix, sous Pilate et sous Plaisance, mais une semaine après, on ne voit personne pour parler, pas parler de eux. Je disais, est-ce qu'on attendait, un an, deux ans après, on parlait de Mathieu. Donc, qui continue dans la reconstruction et Grand Sud là, et c'est des bagages concrets qui font sous reconstruction. Pas parler de route, qu'a fait
parler de manière durable. Est-ce qu'on t'en dit gagner un débat qui continue à faire dans la presse, au niveau des communautés, au niveau international, sous reconstruction. Chaque fois un bagage est passé, il y a un moment d'émotion, d'euphorie, tout le monde précipité pour y aller. Mais après, on s'arrête là. Je veux dire, qu'est-ce qu'a fait concrètement sur le terrain pour tes supports, par mon Goumon, par mon pot de paix, selon le domaine qu'on dispose. Moi-même, le gouvernement, tu voyais support de paix, kit alimentaire, gagner support médical, cabaye. Même beaucoup à le port de paix, nous avons assuré que nous allons aller jeudi pour le visiter, pour le garder exactement, parce que le port de paix est une situation particulière, hein, très particulière, parce que. Et commune Port de Paix, je dis, mais principalement, c'est ce qui s'est passé avec magistrat Tony Vergniaud, malheureusement, qui était mort dans un accident. Et ça fait que depuis lors, maire principal n'a pas jamais allé. Et il y a un magistrat Yannick, collègue nous seul, comme femme qui l'autre bois, qui a coordonné, ou imaginé, dans un espace aussi et difficile politiquement. C'est le magistrat Yannick, pas capoté tout ça, mais ça. Et nous allons regarder pour nous, ça fait n'âme capoté comme appui à Mairie et à la population. Pour le visionnement, on pense que il y a un peu d'enjeu. Hein. Et il faut que nous gérions la crise sur le port de paix de manière spéciale. C'est la ville, et la commune du président de la première dame. Et il y a un peu d'attente par rapport à la situation. Et depuis au départ, on a commencé à gagner des préoccupations sur la situation du port de paix. Et ça vient compliquer la vie au niveau du port de paix. On pense que le gouvernement a une obligation pour laisser faire de manière toute particulière. Avec un pile d'intelligence, dextérité, avec rectitude, pas trop de communication et support de paix, même d'apporter un gain beaucoup plus d'action. Jean, monsieur, comment c'est fait là pour assurer que, et une semaine, deux semaines après, pas gagner trop de qui dit et par rapport à ça. À ça qui fait. Alors, voilà, tu nous combler et vous l'autre communion, Pilate, plaisance. Même pas la magistrat Pilate, par rapport. Non, non, FENAM a préparé, nous pas dit ça. Et FENAM a préparé pour le faire en intervention. Et comme d'habitude, j'en ai fait le Mathieu, j'en ai fait le. Et nous avons porté support par Jérémy et dans la grandeur de porter support par Fond Verret. FENAM a préparé à 10h là, nous avons une rencontre à la mairie de Delma. Magistrat Judith et Guitare Lemain vous le dire que justement nous prêts et les maires de la République sont mobilisés pour nous porter en aide directe et avec partenaires de nous, Foutefort de Pau, ministère intérieur et ministre DG pour nous assurer que nous portons support Bayo. Moi-même, ça m'a dit c'est que ça qui passe, tout le monde a toujours voulu porter support. Préoccupation PAM, c'est un pays qui est aussi exposé aux affres de la nature. Et à des aléas. On peut sentir l'endor après passage catastrophe Sayo gagner une attention qui mettait sur sa sensibilisation, sur une communication qui peut avoir un bon réflexe. Et ça nous a dit, où est-ce qu'on a passé qu'on y a pendant un petit temps, voilà, si on réplique, on va courir l'endor. Il va courir, vous courir. Ce côté vous cherchez pour abriter vous. C'est ça le dit. Pour la question d'éducation. L'éducation. Est-ce que nous, pour ça, nous avons DG Claude Prepty dit, sous ça nous a dû afficher comme comportement, est-ce qu'on a des un spot massif qui a fait tout ça? Mais là, vous est-ce qu'on dans l'école? Par contre, il faut qu'il y ait un bon tour. Parce que plus fois, on ne passe pas sur deux côtés liés. Mais est-ce qu'on a une quantité de monde qui mourit dans le courrier? Fais chiffre, ouais. Fais information, regarde des vidéos. Effectivement, quand il n'y a pas bon. Mais pendant qu'on courir, ou t'es qu'un réflexe qui est plus normal ou sécurisé, propre tout. Majorité de gens qui mourent, c'est dans mauvais réflexe qu'ils ont fait, qu'ils ont gagné. C'est dans peur. Ils sont paniqués au départ, ou pas capable de paniquer, tout le monde paniqué au départ. Mais si une répétition qui fait sur TNH, sur toute télévision, sur toute station radio, gouvernement définit, on dit bon par rapport à niveau exposition pays à catastrophe ça, à menace ça, faut gagner une attention particulière. On regarde même dans le budget l'État, pour garder ça l'État a mis dans le budget pour les gérer risques et désastres. Parlementaires n'ont pas capable de voter le budget sans qu'ils pas assurer que le gouvernement vous mette des crédits assez significatifs pour vous provisionner. Parce que quoi qu'il arrive, ces affres vont s'abattre sur la République. Positionnement géographique Haïti mettez dans une dimension de risque.
voilà, et assez grande pour nous. Donc, il faut gagner politique et publique sur gestion de risque et désastre. Mais la moitié au prochain, vous verrez. Après ça, puis une passe, je me dis, mais quand je viens municipal, d'ailleurs, après 12 janvier, tout le monde est d'accord, bon, il y a des constructions qui sont déjà là, on essaie de renforcer, mais au moins, nouvelle construction que tu as faite, tu as dû au moins respecter nos murs. Et là, ils ont accusé, mais ils ont pas grand responsabilité, je n'ai municipal, parce qu'en plus, on me fait comprendre, magistrat, on me mettait dans la tête, je n'ai municipal, je suis seulement là, ben, permis de construire. Par aucune expertise qu'elle fait sur terrain, sur sol, sur camion la fait là. Bon, donc moi-même c'est magistrat Carrefour, moi-même comme responsable, moi pense que mairie a une responsabilité énorme. Peu importe question politique, on a parlé. Jalousie qui construit là, c'est une mairie Pétionville. Et où derrière qui construit, c'est une mairie Carrefour. C'est le tunnel qui construit la mairie Port-au-Prince. Canaan qui construit la mairie Croix des Bouquets. C'était soleil pareil. Et moi, il faut nous dire ça. Nous ne pas chercher excuses. Les mairies sont les premiers responsables de construction anarchique qu'a fait. Parce que ouais, depuis que nous avons construit, l'économie mairie a gagné autorité pour l'empêcher de construire. Par contre, au niveau de politisation qui est intercalé dans l'espace-là, qui fait que très souvent, ou est permis au bail. Par exemple, ma propre conscience, quand elle a qu'on y a là, bloqué, que donc sénateur est là, ou ministre est là, ou directeur général est là, ou président est là, pour le dos, c'est mon parle. Mais c'est n'importe quoi. Vous habitez après venir sous magistrat par la suite. Moi-même, pendant une fois là, il y a 2 ans, 3 mois dans l'Amérique, je me signe seulement 4 permis de construire. C'est réel qui gagne, je ne dis pas que je ne pas construire, non. Je ne construis pas qu'on est. Même s'il y a seulement 4 permis de construire dans une ville qui est en extension, qui travaille tout le temps, parce que je connais que, et c'est peut-être un élément, et le marketing américain nous parle, dis-moi la quantité de permis que moi-même, moi signé. Je ne vais pas dire que je ne vais pas construire. Mais tout gagne en négligence de la part de TPTC. C'est un organisme, c'est un ministère stratégique qui joue un rôle fondamental dans l'attribution de permis. Il y a dit que Fort Mairie a voué demande de permis au MTPTC et après avis technique motivé pour maire là autoriser. Monsieur Mounavini, pas un rien qui fait dans l'espace là. Il juste prend 2-3 blocs là construit. C'est nous-mêmes qui construisons propre tombe nous suite à passage catastrophe. Mais combien de fois ou est gagné en opposition, ou est gagné résistance, ou est gagné en présence de TPTC dans mes rio pour assurer que ça respecte. Ça va faire tout. Donc, gagner un accès généralisé et au niveau de l'État, à tous les niveaux de l'État, comme bon citoyen, on doit accepter. L'autre haïtien, on n'a pas l'autorisation pour le construire, il ne va pas le gagner. Mais le mal a mal passé, magistrat responsable. Moi-même, je reconnais que Mirio Jean vraiment responsable au premier niveau de attribution permis de construire, de désurbanisation ça, ou bien je dis donc urbanisation est contrôlée, effrénée et que nous totalement absents. Effectivement, pas une capacité en dans Mirio, parce que nous n'avons pas une police communale, ouais, toute l'État a couru parce que nous parlons de police communale, comme si on fait l'État, chaque sujet ou abordé avec l'État et le gouvernement pour du pays avancé, ou fui, ou couru, tellement pas la police communale. Sur qui base ou a dirigé 600 000 habitants Carrefour, 1 million de citoyens et de citoyennes à Port-au-Prince, pour l'État, il s'est parlé de la mairie Port-au-Prince, la police communale de la capitale. Vous comprenez? Donc, côté magistrat, il y a construit dans le monde. Est-ce qu'il y a là? Mon tableau de police, c'est qu'il y a aidé ça. Police nationale, pas fait. Bala directeur Gédéon, bala premier ministre Jagui, bala président, bala tout le monde dit, monsieur, il y a une nécessité aujourd'hui pour gagner une police communale. Qu'après les policom. Moi, pas demandé pour chaque. Vous avez parlé de ça pour le ministère, peut-être là? Nous, pas ça. Nous, pas demandé pour gagner chaque mairie en police. La pas être en milice qui parle au service du maire lorsqu'il parle d'une élection. Nous, comment élection fait dans le pays? Nous, on dit déjà que. Non promotion police ça il te dit ça qui a sorti acte sorti acte gradué la baie
et la préparation des modules de formation adaptés à la gestion municipale. Il va repartir dans l'ensemble de grandes villes au départ et on sait de villes qui ont capacité pour recevoir. Même j'ai des politours, des polices communautaires, mais ils ont refusé de mettre Polycom dans le pays. Et comme si nous avons mis Polycom, nous avons dit que nous avons mis pour Jude, ou nous avons mis pour Wilson Jeudi, c'est où nous mettons pour Isle Frédéric, c'est où nous mettons pour Nissan, c'est où nous mettons pour Dominique Saint-Roch, ou nous mettons pour Nil La Tortue au niveau Gonaïve. C'est n'importe quoi. C'est une unité spécialisée de la police nationale qui a une formation adaptée à la gestion municipale, nous mettons au service des communes qui pour gérer les questions de construction anarchique, qui pour gérer les questions de l'eau, qui a ajouté l'eau, tombé, tout le monde avec un panier fatra, l'a jeté. Personne ne va dire rien, monsieur. Mais la police a le contrôle, ça, direction. La police n'a pas fait. Mais c'est direction, la police a le contrôle pour les policiers. Bien sûr, moi, dis ça. Effectivement, détaché, on a une fonction municipale, mais c'est des policiers qui recrutent sous concours par la police nationale, qui font formation à l'école nationale de police là, ok? Et puis qui yo détaché, yo voué par mairie. Je dis à l'occasion des quantités de policiers qui détachent avec VIP. Attention. Mais vous pensez que le magistrat Kafou n'a pas gagné 15-20 policiers qui n'ont mis rien stable, qui travaillent. Il y a volé bouche et grillé, oui. Qui, même si les policiers ne peuvent pas dire non. Les policiers, oui, ils ont mis un fatra, ils ont gagné tout ego. Autant de qu'ils ne peuvent pas faire. Donc je dis à penser que les bases au passé, il faut nous réfléchir. Haïti a besoin d'une véritable réforme profonde. Profonde. Ça que youn nan moun regrette. Président Préval, ma jambe de possibilité pour me dire ça. Je pense que le président Préval a raté une occasion idéale pour que les pays avancent. Vous avez déjà vu le Moudis? Bien sûr, c'est le seul président qui fait deux mandats achevés. Après le premier mandat, on a dit comme jeune garçon, ou besoin de deuxième mandat, il y a des bagages, vous faites bien jouer sur vous. Mais là, on a deux mandats dans le monde. On ne peut pas être président encore. Il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures drastiques. Parce que toute zone de l'hôpital, là, messieurs, dames, toute route derrière là, toute route matissant. Mais nous ne pouvons pas dire que le président de la République, le maire, le premier ministre, sous la saline, dans l'état ça. Mais ça empêche. Ou bien sous Mariani. Mais ça empêche. Sous site Fatra, sous derrière là. Ça empêche de redynamiser le génie municipal. Ça empêche de mettre. Moyen. Moyen. Bon, je dis. En commune, je dis à recevoir 400 000 gouttes, 600 000 gouttes de ministère intérieur pour fonctionner. Ou vous voulez dire qui est technicien pour avoir un génie municipal. Avec 600 000 gouttes par mois, c'est lui qui fait peur et lui-même pour faire investissement. Est-ce que vous pensez que les techniciens pour aller sous CAF ou un bon ingénieur, pas de prince de plusieurs bons ingénieurs, mais il y a une capacité pour ingénieur. Au moins, comme ça. Mais si vous regardez le niveau ingénieur municipal, je dis dans la zone ça, après, c'est des gens qui sont hautement qualifiés. Mais qualification. Avec constitution, je continue à faire dans toute ville où dit là. Mais oui. Mais capacité. Mon territoire pas maintenant, capacité pour me gérer, il faut me moyen de coercition. Soit l'on juge du peuple à déplacer, c'est frais pour Bali. Ou pas qu'il faut nous comprendre sa capacité, monsieur. Parce que nous dans le pays, moi-même, citoyen haïtien qui va à l'étranger, il est rentré à Haïti, il n'est pas fier. Côté il y a vu l'autre bas, il est gêné pour parler de Haïti. Comme c'est l'ensemble. Parce que nous-mêmes, comme dirigeants, nous paix. Chaque fois que je dis, marqué à jamais l'histoire de la gestion municipale en Haïti. C'est voilà, il y a des bagages qui font que personne ne peut pas faire, pas faire. Donc, je dis, ou pas qu'à dire, parce que tout le monde peut le fâcher, pour quitter Matissan dans l'état ça. Ou pas qu'à dire qu'il y a une ville qui est au cœur, qui est au carrefour de 5 départements, qui a une seule voie d'accès depuis 200 ans. Alors que Gonlan met de proposant là, ou t'es qu'à faire concession, ou exploiter, même un ferry boat pas qu'à là, même un taxi sous de l'eau pas qu'à là. Nous sommes au carrefour, nous fait 2h, 15 minutes. Non, moi, je me dis, ça n'a pas parlé là, monsieur. Ça n'a pas parlé là, Lindo. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans les actes, je me dis, monsieur, qui a fait politique dans le pays d'Haïti, il m'a dit, 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 il m'a dit. Donc c'est un budget pour moi si c'est vrai. C'est une prise en charge, une renforcer la capacité commune, section communale. Pour ça, on a fait dans la deuxième section gros monde. Qui gagne 30, 40, 50 cas qui grasé, moun mouri. Ça le café. Parce que je ne comprends pas. Donc je dis à me penser que c'est une nécessité de réforme profonde. Moi, je m'encourage, président Jovenel. Franchement, je me dis ça. Je m'encourage.
faut pas peur, faut résister aux menaces, faut le résister pour prendre des mesures difficiles, vraiment difficiles. Populaire même. Même difficile, mais dire impopulaire. Pour m'éviter, moi, c'est ça. Faut prendre mesure. Ou pas qu'à accepter que, aujourd'hui, il y a dans tout pays d'Haïti, monsieur, pas une seule usine de valorisation de déchets dans le pays, alors, monsieur. Et là, je ne peux pas gagner. Ou imaginez primature là, et puis le parlement là, et puis la saline est à ça, monsieur. Comme si Capote allait au Ghana dans l'État, dans le pays, en bas la ville dans l'État, marché Carrefour du Valier dans l'État, bon juvénat, un petit monde mal juvénat, travaille l'autre bois, ça fait 15-20 ans, il était conseillé de magistrat de femme, qui est où le moins comme magistrat. C'est comme il était passé sous Carrefour là, il y a plus de gars qui sont passés déjà, oui. Sauf que vous ne votez pas pour qu'elle le fasse. Absolument, même nous connaissons. Non, mais nous connaissons Jude comme dirigeant par plein. Parce que Jude, c'est le président final. Voilà, moi je dis que ça fait. Je dis, c'était pour magistrat, le pays a changé. Ah, bon? Depuis... ah bien sûr mon cher. Lendo juste prend exemple. Et puis on prend les deux ensemble. Non non, si pour magistrat Haïti t'a changé. Quand parce que le président Fenam, juste prend exemple le jeudi. Juste prend exemple le disparu. Ou rappelons ou rappelons pour ce président Préval. Jason t'es pas le beau cathédrale, pas le lever monio. Voilà ça président Préval de dire. Mais je dis à qui ça gagne comme solution. Ce qui base pour moi, ça va gagner l'attitude pour la prendre des mesures populaires. Je dis à monsieur, il nous dit ça. Ça qui passe, ça qui vit Pilate là, qui vit Gomon, ça qui vit Akul du Nord, ça qui vit Mbakone, et Plaisance, et doit interpeller nous. Puisque nous exposer. Faut nous dire, mais ça n'a pas fait. Ça qui m'a pris tant de dans le budget. M'a pris tant de budget, moi, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour la collectivité. Ou imagine aujourd'hui, moi, il y a ces neuf. Pour dire 6, 17, 18. Par contre, grand commune, qui font commune, pendant 12 mois d'exercice là, tellement de râle politique, râle de descendre, mais ça commande le PMC, hein, président, il faut qu'il tranche. Lorsque les dirigeants font trancher, ou pas qu'à, si c'est Mérique qui a un problème, faut trancher. Si c'est le Parlement, faut trancher. Parce que nous-mêmes, comme dirigeants, ce n'est pas garder combien de temps on a fait ce pouvoir. C'est garder qui ça a fait, dans petit temps qu'a passé ce pouvoir. Parce que ce n'est pas possible. Parce que magistrat est avec député ou bien sénateur pour un fonds qui n'a un budget de l'État pendant 12 mois sur 140 communes, pas pour green qui joignent. On a dit me parler. Oui, je suis là pour me parler. Pour me parler, une parole qui a sens. Et chaque fois, j'aime bien remercier le nouveau ministre. Le ministre a été commencé, il faut nous reconnaître ça. Dans le dernier moment, le ministre a consenti. Il dit avant-hier que il demandait à toutes les communes pour venir signer le protocole. Il fait 16 mois, a dit une seule parole. Et sous 17e mois, il y a de lui. On va écrire nous à sous blanc. Fait signer le protocole d'accord avec mes vieux comme sous compte. Un député, un sénateur, il y a un fonds départemental. Pardon, pas député, non sénateur. Fonds départemental, 25 millions de gouttes. Regardez pour combien de questions déjà. Regardez pour eux. Même si nous-mêmes la presse, on a regardé ça. Combien de sénateurs 25 millions de gouttes par sénateur. 75 millions par département. 3 sénateurs. Il y a des questions. Combien de questions déjà? Mais bien sûr, il y a commencé de questions par tranche de 30%. Mais sous 140 communes, non. Par contre, grève de décaisser pendant 12 mois, c'est fini. On est obligé de bataille pour nous faire sécurisation, sanctuarisation des fonds communaux pour aller au-delà de l'exercice de l'avantage. Est-ce que le fait, oui? Le fait, il faut me dire ça franchement, honnêtement, nous ne pas la payer maintenant, nous rencontrer d'entrée de jeu, le président était avec le nouveau ministre, sécurisé, le ministre financier. Mais son monde que la fédération a compté en pile sur les réformes fiscalité locale là, le ministre décembre qui a déjà gagné plus que 8 textes que la réforme fiscalité a été préparée, n'a pas que dans le Parlement. Je dis ça, c'est moyen pour les deux communes. Si le Nord a une capacité, ou bien sûr, c'est prince aller. Ça fait me dire que dans la région nord là, pour qu'il ça pas gagner des stocks stratégiques. Des stocks stratégiques. Ça fait me bien content. Son ministre actuel là, intérieur, son ancien magistrat. Mais depuis un monsieur, son monde qui connaît ça l'affaire, qui t'a vivre situation, qui n'a pas de gros moyens dans l'État. Moi, je crois que Jean-Pierre m'a parlé récemment de Cameroun. Non, dans 5-6 mois. T'as supposé gagner des bagages extraordinaires qui réalisent dans le département sous mise en place de stocks stratégiques régionaux, des dépôts qui sécurisent, qui militaires dans le pays, qui sécurisent. Ce qui est base, on va passer,
Dans deux heures de temps, nous allons faire convoi pour te secours. C'est ça lié, oui. Parce que les députés ne prennent pas des pauses, ils ne prennent pas des pauses. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas peur de monde si nous dirigeons. Nous n'avons pas joué, nous n'avons pas dit que nous voler. Mais il faut nous dire chaque monde maintenant un rôle pour payer avancer. Les gens qui font monde, ça fait mal. Ça fait mal, franchement. Mais on connaît ça, ça bizarre, c'est que oui, on dit là, il faut mal. Et puis jusqu'à ce que la prochaine catastrophe arrive, on va aller dire même pas encore. Mais qui le citoyen l'accepte, hein? Le premier complice, c'est le citoyen. Mais le tout bas, l'histoire, voter nous pour nous faire différence, hein? Pour nous garantir un demain meilleur. Maintenant, l'enveloppe, on garde son OEA, magistrat Julien Doigt-Pierre, qui le sont tirés. Au niveau de la FENAM, ouais. Pour que là maintenant, Mério, t'as qu'à proactif. Et Mério, t'as qu'à prendre, laisse parler les mesures qui s'imposent pour que, ne serait-ce que premier besoin, nous arrivons, répondre à qui, les bails sont arrivés dans le pays. Vous imaginez que dans tout département, 4 départements, ça y a, 3 départements, ça y a touché, pas aucun dépôt, l'État qui gagne stock, mais c'est pas pour le ministre qui va mettre pendant 2 semaines, il vient, d'accord même. C'est pas le gouvernement qui va mettre pendant. C'est pas que c'est supposé commencer depuis 12 janvier après, depuis le président Prévalté, là. Ça va expliquer nous. C'est le problème ça posé. Mais nous même dans la presse là, faut nous dire, faut qu'il y ait une mobilisation pour renforcer le département et la région. Parce que le mythe Port-au-Prince, il faut le déconstruire. Parce que c'est pas un moyen pour nous occuper Port-au-Prince encore, ni Cafou. On nous dit ça déjà. Il ne faut pas être corso, mais non. Il ne faut pas être acquis, il ne ou des possibilités de récupérer les zones. Quand un médecin fort dans le Dikini, on connaît pas être même tête de bas, non. C'est-à-dire qu'on va vivre une dégradation, une disparition progressive, mais quasiment irréversible de l'environnement. Mais alors que moi, je suis magistrat Kafou, ma fête. C'est une fatalité, magistrat. Mais pas de fatalité, parce que l'État organise de façon centralisée tout le pouvoir dans mes ministres. Sur qui base, on a un ministère 17 milliards de gouttes, alors que on mérite pas un goutte. Mais il n'y a pas indépendant. Son entité, son l'État dit que je ne peux pas agir de manière centralisée parce que le pape a un résultat. Je crée d'autres entités au niveau du territoire. Je dois transférer à la fois moyens et compétences. Les gens ont 11 champs de compétences. Pas grand monde qui évalue combien de cobres chaque compétence a besoin pour l'exercer. C'est n'importe quoi, maintenant. C'est ça, expliquer. Par contre, mais expliquez-moi. Ils ont dit qu'il y a une compétence dans l'éducation comme magistrat. Tandis que le budget de l'État a voté, et le ministère de l'Éducation nationale, tout l'argent. Même surveillance scolaire, ils n'ont pas fait. Je m'attends comme jeune garçon, comme haïtien. Parce que ça nous vit dans ce monde, nous avons la possibilité de dire aujourd'hui. Tout le monde qui empêche, moi, je vais résultat, je vais dénoncer. Je vais regarder qui bilan par le bail sur l'éducation. Je connais qu'il faut qu'on fait. Mais il faut qu'on fait là, les papes aller trop loin. Sous pas décentralisé. Ces constitutions d'éducation sont charges de l'État et des collectivités. Qu'est-ce que un ministre fait avec Mério pour l'aider à augmenter hors scolaire? Ça empêche tout, mais Yoshita, un ministère, pour faire le job. Ah, bien sûr, c'est le rôle de la fédération dans une dynamique de combat patriotique pour chaque. Imaginons qui combat là. Ou qui combat en face ministère intégré, combat en face primatif, combat en face planification, combat en face CPTC, combat en face national. Mais on n'en finira pas. Pour que ça dit en face. Mais attention, c'est ministère qui recevra tout budget. Parce que c'est autorité dans l'État tout entier. Non, là me dit en face. Non, c'est pas. Donc, on connaît nous pas dans la violence. Mais là me dit, mais il n'y a pas la planification. C'est juste ça qui est passé entre ministre viol et Julien Doigt. Après, nous venons en mille, elle vient comprendre ce qui est passé. Mais est-ce qu'on peut imaginer, pour me faire une route, c'est peut-être ce que je peux faire. Pour ça. Pour ça, dans le budget, elle ne peut pas dire, bon, faire. Ou pas être à route de Kafou. Ou pas être trop, trois, pas faire de Kafou. Même pas le rendre le gouvernement ça a 15 jours le ministre responsable 70 ans pas jamais fait alors que espace là déjà dégagé pour ta fête c'est jeudi à nous ce que nous allons mettre la donne. Donc on veut expliquer que faut que nous mêmes dans la presse là nous aider l'État nous aider parce que tout le monde qui a dirigé remet l'État sous pouvoir mais si on remise en cause quotidienne permanente de agissement qui par colté avec réalité du terrain, mon n'a pas conformé ou pas canon espace pour diriger, pas de résultat pour vérité. Mais tout, qui ça qui caractérise la démocratie? Stabilité institutionnelle. Stabilité institutionnelle. Événement 6 janvier montre fragilité, non. Mais où est l'État haïtien? 6 juillet, pardon. Où est l'État haïtien? Nous disons ça dans le budget. Nous disons pas le grand déficit.
énorme dans le budget à cause du budget 17-18 là. Mais opposition, tu es supposé discuter d'égal à égal avec l'État. Mais c'est Brigandaille. Est-ce que Brigandaille a géré l'État? Est-ce que l'instabilité a géré l'État? Non. Parce que l'instabilité, le monde ne peut pas investir, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas une création de richesse, c'est pauvreté qui a renforcé. Même je dis, je pense que faut qu'il prenne acte de ce qui passé. Et c'est le rôle de la FENAM, de contraindre les dirigeants au niveau central pour faire bagaille autrement. Et des millions de si chaque commune propre, c'est Haïti qui est propre, pour que ça soit une plateforme de compostage dans le pays, 73% fatra, quand je vous dis maintenant, d'origine organique. Quand ça veut dire, on n'a pas eu d'agriculture. Moi, je n'ai alimenté, je n'ai augmenté le rendement agricole là. Qui combien l'argent pour faire ça? Le président Jovenel de Dim, c'est 30 millions de dollars à besoin pour construire une usine qui est capable de servir une région métropolitaine avec 3000 tonnes de déchets par jour. Maintenant, pour moi, avec SNGRS là, qui ont salué la création de SNGRS, député Gary Boudou, qui a posé loi ça, nous avons pour nous corriger là-dedans, mais il y a vertu que, jodia, SMCRS qui a échoué, une nouvelle institution. Donc, il faut que les choses changent. Et il faut que changer. Parfait. Maintenant, vous tenez un terme, vous faites et Matissa, et Maïssa Julien Pierre, et Pilate, et Plaisance, Port-Père, Gaumont, et Mounsao, qui est dans une situation difficile après sa passée, qui ça, qui l'a nous capable de dire, réponse sur laquelle commencer, arriver tout bon vrai, à part de ça qui a fait en termes de distribution, mais pour question construction, caille, assurer que mon l'école, donc pour l'école qui casait, pour l'école qui a fonctionné, le niveau Port-Père, lundi, par l'école du tout qui l'ouvre, mais qui ça qui a fait concrètement que FENAM prend la suite et que le suive pour que Mounsa soit vraiment capable de retourner et la vie normale. Moi, après, quand nous avons participé dans la cellule de crise et alors qui était mis en place dans notre décalage avec le Premier ministre et le gouvernement, nous n'avons pas participé dans aucune autre rencontre encore. Pour moi, dire honnêtement, FENAM a suivi ce qui a passé parce que nous n'avons pas reçu voix, invitation sur coordination au niveau national. Et ça fait nous-mêmes nous décider à le souterrain. À souterrain, à jouer une communion, à jouer une casette pour nous parler avec eux, pour nous faire ça fait. Si la mal fait, pour nous dire non, la mal fait. Si c'est député, sénateur, délégué, qui a coordonné toute bagarre, il a dit non. Mais c'est protection civile, le président a annoncé qu'il s'est organisé. Voilà, ça me dit si. Mais si le président dit à et force sous commune, non, le président pas sur place. Vous voyez ce que vous comprenez? Donc il faut que nous aider. Si c'est député avec magistrat, bon bagaille. Si c'est député avec case magistrat, bon bagaille. Mais si c'est parce que député à Port-au-Prince, il y a accès à premier ministre, à président, à ministre, à directeur général, et que magistrat en province, il n'y a pas accès à rien du tout, la vie à toute bagaille, pour effacer commune, non, la FENAM n'acceptera pas. Et la FENAM n'acceptera pas. C'est ça que nous dit que c'est pour magistrats, députés, sénateurs, mettre tête ensemble à la protection civile qui pour coordonner la réponse du gouvernement. Et je pensais que M. Yo était vraiment bien réagi au départ. Attention, dans une situation d'urgence, attention, hein, c'est l'urgence qui a géré là. Mais après ça, il faudra aller dans la durée. La reconstruction, de la réhabilitation de manière profonde. M'attend que y aurait les FENAM pour dire que ça a fait. Et on a pas jamais si vous voulez, pas de problème avec ça. Il suffit que y a bien fait. Mais si y a mal fait, ou d'accord avec que FENAM n'acceptera jamais, jamais que les mairies soient mises à l'écart. Que mairie Pilate Jodia a besoin de l'eau pour le bail Mounio. Il a besoin de manger. Au départ, il a besoin de ça au départ. Mais par la suite, c'est reconstruction Kaysayo. Reconstruction Kaysayo. L'État n'a pas de gros moyens. Je reconnais ça. Je ne peux pas dire qu'il y a des communes extrêmement riches dans l'État qui n'ont pas de moyens. Il faut être honnête tout ça. Mais le minimum doit être fait. Et en coordination avec les mairies. C'est pas moi qui dis, c'est la loi qui dit. C'est ça que fait. Nous encourageons PMC pour continuer à communiquer avec la collectivité. Le président est au-dessus. Mais le gouvernement qui a travaillé. Si nous travaillons sans mairie, je vous garantis qu'il va aboutir et FENAM pas accepter ça. Et ça nous vient de dire là dans le dernier âge. Nous dit que nous-mêmes, nous demandons des mairies pour renforcer la tête.
mettez techniciens bon côté. La protection civile joue rôle de coordination. Magistrats, députés, sénateurs, chercher pour la protection civile qui a le redistribué. Pour chaque ça qui baille, qui recevoir, qui baille, ou qui est. L'État laisse à ce moment qu'à évaluer combien de réponses sont écoutées. Personne ne va jamais connaître combien de dépenses pour coordonner nos réponses dans le pays. Parce que l'ONG a fait ça au vlé. Donc c'est de bon augure que le gouvernement définit directive. Il dit que désormais, tout aide de passer par DPC, par Conan, même si on nous fâche, ça s'est fait pas. Mais l'État, pas qu'à dans la rue, catastrophe comme ça, il faut que c'est l'État qui coordonne, chaque mois il va faire pas. Mais l'autre dit l'État, c'est au niveau national, au niveau local, c'est la mairie. C'est la mairie. Maintenant, une nation, on a exprimé tout, on va essayer de c'est finalement, nous redynamiser les génies municipaux, pour permettre que les génies municipaux fassent le job, pas seulement les gens qui ont pour permis pour construire, ça va gagner évaluation sol, ça va garder qui ça plan caillé, pour éviter à la longue, les catastrophes, ça, il y a moins de monde qui perdent la vie. C'est plus gros souhait. Oui, moi-même, il faut saluer l'initiative de la part de MRH qui décidait de venir à un nouveau corps de métier. Il y a 50 ingénieurs qui recrutent là, de haut calibre, qui prennent détaché, qui prennent travailler avec la commune pour renforcer la capacité de génie municipal. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce laboratoire? Mais il y a laboratoire national là vous voilà. Mais bon, est-ce que pour qui ça? Et pour ce phénomène, il y a encore d'actualité. Malheureusement, nous allons faire des centralisations en Haïti. Nous demandons pour créer un ministère de développement local et des collectivités territoriales. On avait dit, c'est-à-dire qu'il y a un management, une réflexion sous le développement local là. Parce que le ministère intérieur et des collectivités territoriales, il y a plus de travail politique qui fait le ministère intérieur qui travaille de management opérationnel du territoire. Faut nous clair, monsieur. Nous, tout est passé à l'école. Dans l'espace où on dirige, où il n'y a pas qu'à bas résultat, faut changer. Il faut faire réforme. Pas un pays qui avance, monsieur, sans réforme. Il faut mettre des questions dans la taille pour faire réforme. Pas un monde qui a d'accord réforme, non. Surtout un monde que le système est bon pour eux. Donc, aussi longtemps, c'est le ministère intérieur et collectivité. Eh bien, il y a aussi longtemps, pas de management opérationnel du territoire. Et moi, dis-nous ça. Mais pas besoin de faire. On a besoin de faire redynamiser et redynamisation du génie municipal. Absolument. C'est pas ça pour le bail. Ou quand on direction du génie municipal au niveau national, le ministère intérieur, qui travaille avec la commune. Bon, on commune plein d'or, qui fait 15 000 gouttes par mois, par an, pardon. Qu'est-ce qu'on dit là? Il y a 70 000 personnes sous compte, il fait 15 000 gouttes par an de recettes pour accepter élever 4 ça au moins de commune. Et pour dire lui autonome financièrement administrativement, monsieur, il faut arrêter un jour. Moi-même, ça fait FENAM a réalisé son congrès 29-31 octobre, tout ça pour nous battre 4 là. Et nous parlons sortir avec un document qui est le manifeste de la décentralisation. C'est l'acte fondateur de la décentralisation. Dans mon congrès en plus? Ah non, pas du tout. C'est l'acte. Nous avons sorti un document au départ avec nos partenaires. Nous avons gagné, ça voulait le manifeste de la décentralisation. L'acte fondateur de la décentralisation. Que définitivement noir. Soit nous faisons ou bien pas faire. Parce que je dis, tout le monde sort dans le secteur communal. Tout le monde sort dans la commune. Mais il n'y a pas passé plus de misère. Les gars viennent ministre, premier ministre, le président, le directeur général, le secrétaire d'État. Il n'y a pas qu'on a fait. Mais il y a surtout une menace pour lui. Or, tout service, mais il y a supposé bailler. Le fait que il y a une capacité pour bailler service, eh bien, on va utiliser. Et ça arrive, état civil. Ou pour l'état civil dans le mairie. Ça dit là. Pour expliquer, je ne sais pas comment tu es avec Cafou, non? Maire de Cafou. Mais ce que dis, ça va passer là. Qui est-ce qui est capable de faire tout ça? Donc il faut gagner une structure qui va faire tout ça. Il faut une structure qui va faire tout ça. Qui est gagner par rapport à un commissaire de police et un juge de paix dans la commune par maintenant? Or, la loi le dit, le maire est le président du conseil de sécurité municipal. C'est simple que ça. C'est simple que ça. On a compris ça vite. Vous savez que c'est quoi? Comment ça vite? Là, les commissaires disent le font bagaille. Il ne va pas prendre l'autre dans mon directement. Il va échanger. Surtout, le commissaire Carrefour, là, il a très bon rapport, il a besoin de me joindre. Son cas, même de manière institutionnelle, ce n'est pas qu'à juge de la monnaie, de manière institutionnelle. La République, c'est l'ensemble des institutions. Ce n'est pas les individus, c'est les institutions. Les individus passent, les dirigeants passent, l'institution demeure et renforce la République. C'est ça, nous demandons aujourd'hui hein, que si tu as des moyens dans la mairie, au Cap, tu as des possibilités pour l'État prendre là au Cap. Il voit le port de paix, il voit le pilote. Je dis à tout le bagarre sorti de Port-au-Prince. Monsieur, ne pas jamais apprendre de ça.
comme si nous pas de ça. Vous pensez meilleur qu'à faire? Est-ce qu'il y a des décisions qui vont accepter de faire là? Mais ça fait mais il y a quand même qu'à jouer pas si je ne suis pas. Mais ça non, mais ça me dit. Ça fait dans ma affaire là. Attirer attention mon yo sous manquement yo et contraindre l'État à faire les choses autrement. Congrès du 29-31. Nouveau thème c'est en route pour un développement local intégré. L'avenir du pays, c'est la décentralisation. Pas gagné. Même comme si c'est un entêtement. Ou pas qu'à changer Haïti avec modèle que c'est le ministre qui a dirigé. Vous avez entendu que. Décentralisation t'a vu te douer et des pays avancés. Là, on conseille les ministres à fait. Qui est-ce qui représente les collectivités là? Qui est-ce lié? Vous avez le ministre intérieur. Qui est-ce qui met d'elle? Mais il y a un rapport. Il y a un rapport privilégié à tous les ministres. D'accord? Tous les ministres sont solidaires. Depuis que vous êtes entré comme ministre, la défendre, question gouvernement, question président. Ce n'est pas la collectivité qui met le ministre qui dit. Ça fait au départ. C'est pas obligé de la collectivité qui met le ministre, c'est une certaine dimension. Même si c'est la collectivité qui met le ministre, il va le défendre par le gouvernement. J'ai un structure la charpente. Et ça me dit. Je ne peux pas vous le mettre parce que ça nous dit. Même si vous mettez le jour d'hier par le gouvernement, tout comme moi, tout parlementaire, même si vous n'avez pas un parti politique, devait monter président qui a jeûné avec le premier ministre. Pour moi, ça veut dire que je vous explique. Je vous explique que. Au départ, nous te dit que faut gagner mon conseil interdépartemental qui gagne rang de ministre qui a siégé au conseil des ministres qui parle porter par la collectivité là, qui va parler de la même voix que le président ou premier ministre. Là, nous avons fait le budget. Si on te connaît dans le conseil gouvernement, dans la conférence budget qu'a fait, qui a dit non monsieur, nous ne pouvons pas baisser l'impôt locatif là sans mairie, pas de monde qui dit ça en dedans. Parce que le gouvernement est solide, d'accord. Mais c'est principe, je dis à un bon poste ministériel. Mais c'est pas le gouvernement qui va le porter. D'accord. C'est principe là ça. C'est principe là ça. Donc, les collectivités ne pas fait partie de l'espace décisionnel. Ou pas dans le Parlement, ou pas dans le Conseil des ministres, qui compte pas décider dans le pays. Oui ou non? Expliquez-moi. Parce que pas me dire, monsieur. Rimoui Haïti, oui. Pas Haïti, non. Mon cap dirigeur, oui, depuis 30 ans. Rimoui. Tout le monde. Parce que je connais ça pour le fait. Et moi-même, je dis ça clairement. Je vraiment demandé à m'encourager, supporter le président Jovenel pour l'investir dans la section communale. Investir dans la commune. Alors, faire route pour ça. Congrès après l'homme. Mettez l'argent tout en dans la commune, dans le budget. Nous réclamons 15% du budget national aux collectivités. 15% nous demandons. On avait dit l'indor. Imaginez, vous prenez une commune pilote. Chaque année, on balle 25 millions de gouttes dans le budget. Et pas là, je fais ma liste à cadeau, non? C'est d'où dit, comme qui est le ministre de l'Éducation, comme qui est le ministre de l'Éducation, comme qui est le ministre de TPTCA, cap dépensé par le président, cap décidé par le président, ou dit Méria. Décidez, mais ça m'a décidé sur tout secteur où il y a un président de l'Éducation. Mais je veux dire, il a changé. Il faut même être plus créatif. Tout. Vous allez vous faire la parler de ça dans l'émission. Je veux dire qui ça? Vous regardez qui sont capables de tout générer l'argent. Bon, là, on va aller dans notre débat, ça, dans notre émission. Moi-même, je prends un cacafou. Je dis toujours, ça qui est 16 mois, je dis, gagner 102 000 cacafou, 7 000 pays. Je ne vais pas payer un cacafou pour nous payer. Qui sanctionne le cas d'exercice contre eux? Avec DGI, vous travaillez. Mais voilà, mais DGI. DGI, c'est sur l'institution. C'est sur l'institution qui est attachée à la loi. Je dis, DGI ne prend pas un cob si ce n'est pas en rapport avec la loi. Mais ce qui est basé là-dedans, tout le temps, je dis ça. Moi, j'ai un cacafou qui gagne 68 000 dollars américains. Il y a 18 ans en BMI, il n'y a pas de café long. Et forcément, il débattre avec Zamal Krasel. Mais il y a ça. Nous sommes des démocrates. Vous comment force, c'est la CDGI qui vous fait. Ça a empêché DGI de faire l'avant. Mais je demande ça. Je demande DGI, ça a empêché de faire. Directeur là, il dit que j'ai mis le sollicité là, l'aide. Moi-même, ça a deux ans à solliciter, moi, que j'ai mis le quartier comme ça. Et ça me dit. Ça a deux ans à demander pour que le cacla paye. Où est la réalité que le cacla? En face de DGI, il y a là, il y a un petit peu. Mais pas jamais payer pour le locatif, non? Monsieur entre nous, ça n'a pas expliqué dans la DGI en face de lui. Allez, vous avez dit dans la. Moi, je bouche moi pour me parler pour payer, pour payer. Pour me passer ça, ma vie là, même comme jeune garçon. Même pas sur route des rails là, comme jeune garçon, Kafou, qui magistrat Kafou, il fait mal. Il fait mal. Et c'est ça, ma demande, mon yo. Je dis, il faut gagner une usine Fatra dans le pays. Je vais regarder ce parlement. Je député Garibodo. Nous créer SNGRS. Tout le monde qui m'a supporté. Je vais regarder si l'argent va aller vrai
année ça, pour symboliquement président dit, premier ministre dit, monsieur, n'a pas fait usine valorisation du chien dans le pays. Ça va être construit dans 4 ans, 5 ans, 30 millions de dollars, ou qu'à étaler sur 5 ans. Vous pensez comme ça, ma carrière, nommé partenaire international, ça dépend de comment on va le discuter. Parfait. Même je, le président, venu là, une initiative louable, j'ai mon place là. Mais c'était Fatra, depuis qu'il a fait usine Fatra déjà dans 2 ans. Parce que Fatra, tout le monde a fait Fatra. Monsieur, très laide. Parce que ça m'a dit, monsieur. Bonsoir, que sur votre cas là, elle m'a passé, j'ai un ami. Mais son honte, moi-même, décidé pour me fermer ce site-là. C'est du déchargeur? Oui, c'est son honte pour moi. Dérangeant. Dérangeant. Mais vous imaginez, là, mairie qui a géré ce site Fatra dans le pays. Bon, c'est ce que je parle, c'est sur les en bas, qui vivent en bas. Et parce que là-dedans, elle garde le pouvoir. Moi, je m'invite à TNH, elle prend image. Site ça, seul site national pour l'État, ça, monsieur. Et là, je n'ai pas eu l'envie. Un budget de 44 milliards de gouttes, juste mettre l'argent, ou qu'a fait. C'est quand même peu, hein, par rapport avec tout problème pays. Oui, mais ce problème, c'est pour hiérarchiser. Est-ce que Fatra pas en urgence nationale? Vous n'êtes pas d'accord? Mais c'est pas une juste nationale. Il y a l'école, l'éducation, tout ça, juste. L'école l'a toujours fait. Oui, mais est-ce que... L'hôpital, c'est juste. Mais attention, monsieur, moi, je dis une bagaille. Là, vous venez là, et il m'a dit ça, et il m'a joué derrière là, et il prend le vendre avec la saline. Et il m'a dit ça, il y a le vendre de nous. Donc, ça n'a pas de prix que nous gérons. Mais c'est quand même, c'est le MIV, pour moi, c'est un cafou, parce que, faut que nous passions Matisse vers le cafou. Et le problème du 17 mai, elle a compliqué pour nous à le cafou, et puis le cafou qui a plein pour ça. Comme magistrat, qui démarche pour faire, bon côté, l'autre autorité, l'autorité de la police, pour que vous vraiment mettez la situation dans le niveau vous lié, pour que par les quelques cassés, les rapports du 17 mai, mal cafou. Comme c'est pas un espace qui dépend de moi, on t'a dit mairie pas au prince. Mais qui ça mairie pas au prince qui a fait comme ça? C'est justement Jérôme Affel là, dénoncer, discuter. Nous avons raconté la police par exemple. Nous avons raconté la sécurité publique. Mais raconté la police. Mais la police pas comme ça? Pas disposition. La police pas elle? Nous avons fait pression sur eux. Mais voilà, ça me dit, fait pression et ça me dit. Et ça, oui. Et ça, oui. Mais pas seulement la radio. Ou bien, on va aller. Au départ, je n'aime pas aller dans la presse de mon sujet que je vais aborder autorité pendant une longue période et que je vais un résultat. C'est stratégie PAM. Parce que je pense que je n'ai pas de solution comme dirigeant, pas de problème, je n'ai pas de résoudre. Or, je n'ai pas de résoudre. Je n'ai résoudre. Je résoudre. Je n'ai pas de résoudre. Je n'ai c'est ça qui arrive. Le problème, c'est ça, l'État. Vous voyez la DGV en achat? Bien sûr, c'est un ami, nous parlons ici. On a un sujet. Ah oui, sujet. Mais je besoin de mettre en antenne sur rivière froide. Depuis 24 mois, je n'ai pas de mettre le jeune pour me faire. Donc, ouais, ou même quand même, ça quand même. Mais moi, je suis un municipal, j'ai vraiment envie de m'a dégager mon carité et publier dans Livre en Folie l'année prochaine. Mais c'est tout ça qu'on a expliqué à PIA. Et moi, des jeunes là, pourquoi la décentralisation même? Parce que vous ne pouvez pas mettre tout le bagage sur le président, sur le premier ministre. Le magistrat, c'est le dirigeant qui est plus proche de la population. C'est qu'il y a une possibilité. Depuis qu'il y a une possibilité dans la main. Avec coup de compte. C'est moi qui me donne l'endroit. L'homme a mis il y a 500 000. Il n'y a pas de question, c'est coup de compte. Ce n'est pas l'organisation qui a mis, non, pour aller compter la banque de question. Non, non. C'est le projet coup de compte approuvé. Et puis, réduction de compte automatique. Oui. Bon, pour qui ça n'est pas allé? Bon, même moi, les négos font expérience. Le président Jovenel, dans le budget, ça a fait à la première ministre. Non. Mettez 15% dans le budget pour que nous puissions vraiment dans la fin, ce n'est pas changer Haïti. Ce n'est pas qu'il y a extraordinaire au fait dans le pays. Extraordinaire. Comment imaginez pas qu'il y a de l'eau ou série de côté? Eh bien, avec 4 millions de gouttes, magistrat qui a fait un projet d'addiction d'eau potable. Donc, quand vous parlez de l'eau, c'est Sébastien, une question de l'eau. Le problème de l'eau est énorme sous Kafou, le tarissement sous l'eau, et Koraïto, Mona Chandelle. Mais nous avons une autre commune de balade, le problème de l'eau. Oui, mais ma parole, Mona Chandelle, Koraïto. Au contraire, nous, c'est la ville, et Kafou descend, vient prendre l'eau. On va y venir avec le fond de poule, il y a deux puits artésiens, nous, j'ai conçu puits artésiens en l'air. Ça veut dire, c'est le problème, côté président, il n'y a pas contre toute bagaille. C'est magistrat, c'est Kazek, mettez-vous à la main, et puis renforcez le contrôle pour des comptes. Les gars, il va changer. Les mêmes dit, ils avaient dit, c'est formidable. Va faire. Bon, pour finir, non, moi, je pense que Fénam va le rencontre là, dans la mairie d'Elma. Avec magistrat son autorité pour nous discuter de réponses, support par côté directement par Mério, pour profiter de l'ancien appel à la solidarité entre les maires de la République, j'ai l'habitude de faire là, pour nous recueillir justement, et minimum dans le cas recueillir, avec le ministère intérieur, DPC, pour nous apporter support par les communes qui sont en difficulté. Je me dis, magistrat, il ne faut pas décourager, même si nous avons moyen dans nous, continuer à faire évaluation, continuer à parler à la population, parce que nous connaissons pas dans nous. Pas décourager, magistrat. Vous dites non ça. Pas parler mal, pas jurer, pas prêcher violence. Mais restez ferme, restez serein, parce que vous avez une responsabilité sur le dos. Pas peur.
Le président vient dans la commune, non, il va venir dans la carrière à côté. Parce que c'est où nous habitons. Le premier ministre vient par l'eau, allez. Au besoin, allez. Parce que ça, dans l'État, c'est pour tous les citoyens, ils ont une responsabilité. Pour penser ce dialogue pour nous faire, pour changer le pays. Et je vais regarder PMC1 dans 4-5 mois. Ça, on va le faire sur question gestion de sa désastre dans le pays. Et que dans chaque région, il y a des dépôts de prépositionnement, des dépôts, des stocks stratégiques. Mm-hmm. Par exemple, on dit pour Grand Sud là, Nib, Grand Nord, Sud-Est, Sud, il y a quelque part un gros dépôt de stock de médicaments, de machins, qui a aidé l'État si le problème dans le Grand Sud pour intervenir, mais qui sécurise, il y a l'armée aujourd'hui dans le pays. Ou pareil, ou fait pour région nord. Ah non, et pour faire une pour région, pour l'ouest. Là. Ça, c'est très belle. Mais elle a passé. Et pas de l'un côté pour nous. Première réponse, mais je dis à moi que l'État, ils se font d'accord. Mm-hmm. Moi, que gagne une présence de l'État, effectivement, au niveau de la communication, au niveau de la coordination, pour assurer que ONG va nous faire affaire par eux. Mm-hmm. Et que c'est l'État qui assure le leadership et réponse là. Mais m'attendre que des actions plus concrètes posées au niveau communal, c'est ça fait dans le faire. Dans la visite, nous allons faire ce maintenant, pendant le week-end, pour regarder chaque commune, ça fait déjà. Et qui ça qui doit faire avec le support que nous avons porté pour les magistrats, pour le support par eux, j'en capable pour nous aller porter et concours par nous, mais il y a l'autre bois. Voilà, Jules Edouard Pierre, c'est magistrat Kafou, il est tout président Fédération nationale magistrat haïtien. C'est avec lui, nous avons fait battre ça. La mise au point suite à ça qui passé, week-end, tremblement de terre, ça, magnitude 5.9. Aïssa, Jules Edouard Pierre, oui, on finit. Oui, on finit, on seconde, dedans. Ça, c'est Zami, moi, Frem, un gros militaire qui m'a dit Kafou. C'est Tibel dans mon repos 38 hier soir. C'est Badoukouan de l'Omoa. Je suis entré, je suis l'Omoa hier soir. Et j'étais malade. Je suis pas malade. Son accident de moto le fait encore une fois dans mon repos 38. Là, on moto qui sans lumière. J'ai une fonte gaz dans 38. Là, monsieur Mou. Mon repos, base béquet. Toute famille Tibel, moi, je me dis non ça. Et zéro. Voilà. Zéro. Voilà. C'est sinon, monsieur, ça c'est zéro, comme je te dis. Zéro, c'est vraiment, c'est base zéro, c'est extraordinaire. Mais question, moto à tout, là, son bon, majorité. Un gros sujet, mais. Pour moi, mais idéalement, tu commences à faire travail, mais on dit Kafou a fait le tout. Question Gilet. Oui, tu commences à Gilet, mais Plamota, de nature, question. Et non, ça me l'a dit. Je dis tout à l'heure, il faut que les mesures populaires. Les populaires. Il y a toutes les mesures populaires. Il faut que bravo. Qu'est-ce qui arrive, citoyen, ça? Qu'est-ce qui arrive? Un peu exemple, c'était Michel. Il faut avoir 40 droits, monsieur. Moi, m'écris tout le monde, m'écris parquet, m'écris la police, m'écris sécurité publique, moi des concours, il faut intervention. C'est avec matériel CN, TPTC, oui, cité Michel. La marine est là, oui, parce que la construction qu'a faite sur la mer, mais réduit le champ de vision marine, pas contrôler l'espace là, non. Alors, vous comprenez? Même m'écrit, ça m'a fait, m'écrit lettre, ni accusé au nom de tout pral publié dans mémoire du gestionnaire municipal en Haïti. Une véritable catastrophe, une expérience enrichissante, mais assez décevante. Sous réticence, une résistance de l'État qui dit la décentralisé, mais dans la réalité, il est plus centralisateur que jamais dans l'histoire. Bon, un peu le bail, on l'a valé. Un peu le bail, oui. Ça fait nous-mêmes, nous cherchons un espace pour mettre dans la mémoire du gestionnaire municipal haïtien. Avec une expérience assez difficile, nous vivons Kafou comme magistrat, en plus de responsabilité, mais plus de moyens. C'est ça. C'est juste Kafou, son véritable Kafou, et c'est une grosse commune. Il faut nous dire tout, il faut honnête. Mon Kafou, le capteur de là, sous 30 secondes. 30 secondes. Routcha Pontia, président Banoul, moi officiellement dit ça sur un H, mon primaire. C'est HL Construction, Cap-Fel, la commencé au Belge du Québec jusqu'à Rivière Froide. Finalement, et me dit président Jovenel, vraiment merci, ministre Kayo, vraiment merci parce que mon Kafou t'a fait ça. Il commençait là, moi, bah, il se passe dans Shell là pour faire mobilisation, implantation, et nous allons faire Macajo, tout bagaille clarifié. Il a dit ça l'année prochaine, où ça fait? Non, il a commencé, il a duré peut-être un an et demi, ça dépend, mais sous principe là, HL Construction, nous avons un projet 26, ça presque fini, nous allons faire 28. Nous commençons par l'OMA et Canassu, qui avec support d'intervention bureau député. Donc vraiment, nous avons un projet Laval là qui va commencer, nous avons un projet Monachand de la Centre de Santé, Fonds Communaux, coup de pour nous. Donc il y a une dynamique, je dis à qui est sous Carrefour, mais nous espérons que y a plus de scope, il y a comme qui mettent dans la ville là,
pour le monde bisoton, pas un groupe bisoton qui fait l'indo, ouais, bisoton, Basile Moreau, donc marché de Catus, marché du Valier, Cafou, pas changer de marché du Valier, pas construit, d'accord, même, donc la mairie, pas un corps pour ça, donc on va battre la main, budget, la bagarre, planification, pour nous faire marcher ça. Voilà, merci tout le monde, nous avec nous dans la matinée, là, je souhaite vous passer une très bonne journée, ici c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.